Bonjour et bienvenue sur Do It Yourself Inspiration. Donc aujourd'hui, on va faire une petite boîte, on va la décorer. Donc voilà, j'ai une glossy box ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr la personnaliser. On va faire quelque chose, essayer de faire quelque chose de sympa. Donc on va voir ça bien sûr ensemble. Voilà. Donc là, c'est une box bien sûr standard. Hein. Elle est très jolie. On peut mettre pas mal de choses dedans. Voilà, des rubans, des stylos. Mais ce qui va être plus sympa encore, ben, c'est quand on va un petit peu la personnaliser. Voilà, donc on va pour ceci. Donc du coup, prendre la boîte Glossy Box, ensuite différents rubans à scotch, voilà, dans différentes couleurs, bleu, rose, saumon, violet, rose, voilà. J'ai aussi du folio, du papier folio, donc argenté d'un côté, doré de l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai de la colle, des ciseaux et tout ça, du papier. Voilà. Donc là, c'est déjà un beau rose. Voilà. Donc, c'est déjà, on va laisser comme ça. Donc, je vais déjà faire justement, donc, je pense, le couvercle. Et donc, je vais commencer à coller. Enfin, utiliser mes petits rubans scotch. On va mettre ça. Voilà, on a plusieurs possibilités. On peut faire des petits coins comme ça. Ça peut être sympa. Et voilà. Il faut éviter de faire des plis. Voilà. Vraiment le faire dans l'inclinaison pour que ce soit bien net le collage. Voilà. Donc là on a une bande de fait. Après on va pouvoir changer de couleur aussi. Voilà. Donc, on le met comme ceci à côté. Hop, on coupe. Et on continue. On fait le même procédé que tout à l'heure. Voilà. Donc on va bien sûr hein, essayer de couvrir toute la boîte comme ceci. Et là, j'ai commencé comme ça. Donc là, on va essayer de faire les deux côtés qui se rejoignent. Donc là, on va essayer de couper pour que ce soit net sur le coin. Voilà, faut pas que ça dépasse. Voilà. Génial. Voilà. Donc là maintenant pour compléter les coins, on va essayer de faire comme ceci. Et voilà, après un petit
moment, donc redécoré la totalité de la boîte. Donc voilà, ça fait un effet plutôt sympa, hein. Et le bonheur, je vais peut-être continuer à faire mes décorations avec du papier argenté. Donc là, déjà, j'ai du papier normal. Je le plie en deux. Donc on peut faire, par exemple, des petits cœurs. Voilà. On le découpe comme ceci. Voilà, c'est très joli. Donc maintenant, on va prendre le folio. Là. Donc, maintenant, on va essayer de tracer donc le cœur. Voilà. Donc maintenant, on le découpe. Voilà. Et voilà. Et vous avez vu, donc voilà, ça fait un super effet, on peut décorer, on peut écrire ce qu'on veut à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait un résultat vraiment super, je trouve. C'est brillant, c'est joli, c'est gai. Voilà, donc je suis vraiment contente. Après, bien sûr, il y a plein de variantes possibles. Voilà, donc... C'est vrai que le choix, c'est illimité à ce niveau-là. Voilà. Il y a pas mal, bien sûr, utiliser d'autres bandes, d'autres types de décorations. Voilà. Donc c'est vraiment super. Donc vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire si cette boîte vous plaît, comment vous auriez fait. Voilà. N'hésitez pas donc aussi donc, à aimer la vidéo si ça vous a plu. Voilà, qu'est-ce qui vous plaît dans cette boîte, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Voilà. Donc je crois que c'était vraiment sympa ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine alors. Salut !